Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast de Sega Legacy. Donc aujourd'hui je suis entouré de l'équipe non pas habituelle puisque Kurdi n'est pas là, mais on a Gauthier qui le remplace. Bonjour. On a Sepka. Salut tout le monde. D'un MCL. Salut à tous. Et puis on a la chance d'accueillir deux invités. Donc on a déjà Petit Cerf. Bonsoir à tous. Donc Petit Cerf, tu es le webmaster de... Guardiana. Voilà. Guardiana.net. Tout à fait. Bon, ça, le site date déjà d'une dizaine d'années. Donc on se concentre sur une grosse base de données sur les jeux de consoles rétro Sega. Ok. Et particulièrement la Mega Drive qui était le point de départ, on va dire. D'accord. Et puis nous, c'est vrai qu'on s'en aide beaucoup. D'ailleurs, on l'a entendu sur les précédents podcasts où on s'était documenté sur Guardiana pour voir les belles jaquettes Bristol des jeux Master System. Donc voilà, non, une très bonne base de données. C'est vrai que voilà, ça fait plaisir de t'avoir parmi nous. On voulait merci depuis le début qu'on avait lancé Sega Legacy. Merci à vous pour l'invitation. Ouais. Et puis voilà. Et puis en plus, alors maintenant on a un autre invité qui a une voix qu'on entend assez régulièrement sur les internets, qui est donc Régis Monterrain. Salut tout le monde. Alors Régis, vas-y, présente-toi. Alors je me présente en faisant rapidement. Je me définis habituellement, vu que ça fait marrer tout le monde, je suis un peu un couteau suisse breton, c'est-à-dire que je bosse sur un peu le web, sur les magazines papier, sur nos lives, la chaîne de télé, ce genre de choses. Donc voilà, je suis un petit peu partout en fait. Et donc suisse breton quoi. Ouais, ouais, c'est un peu c'est un peu ça. Suisse breton, mais irréductible. C'est un gaulois, ouais. Gaulois, un vrai gaulois. Donc Régis, t'es là aujourd'hui avec T-Surf et puis toute l'équipe pour qu'on discute d'un thème un peu particulier qui est les jeux qui sont considérés comme des systèmes sellers. Donc en fait, ça va être une série donc de podcasts qu'on va essayer de faire pour couvrir toutes les machines de Sega. On va pas spécialement y aller dans l'ordre hein, puisque comme vous avez pu le voir avec le titre. Avec le titre d'aujourd'hui, on est sur la Mega Drive aujourd'hui. Donc pour vous, qu'est-ce que c'est, si on veut commencer comme ça, comment vous définiriez un système seller d'un MCL? Tu veux peut-être en dire deux mots? Pour moi, c'est quand on doit choisir une machine entre plusieurs. Hein, donc si on prend la Mega Drive à l'époque, un Super Nintendo Fast, qu'est-ce qui va nous faire, pour moi, acheter la Mega Drive au lieu de sa concurrente, donc le jeu qui va me donner envie de prendre une Mega Drive parce qu'il y a ce jeu-là sur cette console et pas ailleurs. D'accord, ce jeu-là particulièrement ou une supérieure version, si ça existait. Ouais, à l'époque, il n'y avait pas tant de différence que ça, mais c'est vrai que. Non, il n'y avait pas des gros écarts, mais c'était plutôt. Voilà, soit un titre, soit après, aussi peut-être des fois une série, ça peut être plusieurs titres qui font que cette machine a 2-3 titres qui m'intéressent, donc je vais prendre ça en priorité. Mais c'est vrai qu'on revient au système seller, c'est censé être un jeu qui fait vendre une machine particulière. Et c'est vrai que c'est assez vague parce que on peut jamais savoir si une machine, enfin si un jeu a été acheté pour la machine ou juste parce que la personne a déjà le jeu. C'est ça qui est un peu difficile parce que c'est vrai qu'on en discutait un peu en off. Il y a le problème des packages en fait, hein, où on avait les jeux qui étaient livrés en bundle. Quand tu achètes la console, voilà, tu avais déjà le jeu livré avec, donc ça te fait vendre du jeu que t'avais pas spécialement, enfin pas dans tous les cas, mais pas spécialement envie de le prendre, voilà. Voilà, c'est plutôt le système seller des marketeurs, c'est-à-dire que c'est eux qui considèrent que ce jeu avec la console. Ouais, que c'est ce jeu qui doit être mis en avant, quoi. Mais c'est pas forcément, c'est pas forcément un vrai système seller, ils ont pas forcément raison. Okay. Moi, j'avais envie de dire qu'un système seller, c'est plus une exclusivité. Donc c'est normal qu'ils mettent les marketeurs mettent ça en avant. Bon, effectivement, après, la qualité du jeu n'est pas forcément au rendez-vous.
Mais pour moi, quoi, System Seller, ça équivaut à... Une exclue, ouais. Mmh. Ouais, Après, on va voir, oui, parce que bon, c'est vrai qu'il y a des jeux aussi là qu'on va voir qu'on va aborder dans la liste qui sont pas spécialement des exclusivités, mais oui, qui sont vrai. Des versions différentes des mêmes jeux qui sont sortis sur d'autres consoles. Donc, c'est vrai que c'est intéressant à voir. Oui, et puis il y a aussi le fait que les system sellers. Sont souvent des jeux qui exploitent parfaitement le hardware de la console. Pour Aladdin, par exemple, qui s'est très bien vendu sur Mega Drive, il exploite parfaitement la machine, alors qu'il est également sorti dans une autre version, certes, mais sur Super Nintendo également, quoi. Mm-hmm. Ouais. Pas développé par le même studio. Non, pas le même studio, non. Voilà, c'est ça. Alors, on va commencer déjà, à moins que quelqu'un veuille rajouter quelque chose, non ? Je sais pas, CFK, Gothic. Pour moi, un système seller, puisque vous me demandez, c'est avant tout un argument, en fait. C'est un argument d'une console face à une autre console. Et voilà, donc c'est faire comprendre voilà pourquoi il faut acheter cette console. Et donc souvent, ça va être un jeu qui va être emblématique assez rapidement, qui va représenter la console. Et voilà, donc Sonic, c'est le parfait exemple, quoi. Et on y viendra. Ok, on peut commencer, c'est bon. Alors donc on va rentrer dans le vif du sujet là déjà avec le premier titre, pour moi le plus emblématique et je pense pour la plupart des joueurs le plus emblématique de la Mega Drive, c'est Sonic. Donc le tout premier Sonic qui s'est vendu. Alors c'est difficile d'avoir des chiffres, hein, un peu on va dire bien précis sur toutes les zones. Sonic, d'après ce que j'ai vu, c'est à peu près 4,3 millions d'exemplaires vendus. Donc sorti donc en 91, si je m'abuse. Tout à fait. Ouais, exactement. Donc qui avait été développé par la Sonic Team, ouais, c'est ça. Yuji Naka, Naoto Oshima. Donc pour vous, pourquoi Sonic c'est l'emblème de la Mega Drive ? Pourquoi ça serait un system seller ? Ouais, typiquement parce que là on revenait justement, on en parlait tout à l'heure, que c'est quelque chose qu'on, enfin un système seller, c'est quelque chose qu'on retrouve pas ailleurs. Bah Sonic, tu peux pas le retrouver sur la Super NES et en plus ça tire partie de la Mega Drive et tout ce qu'elle avait de supérieur à la Super Nintendo, donc vraiment le titre qui permet de dire cette machine là il y a que sur celle là que ça pourra tourner et elle exploite tous les avantages de la Mega Drive. Puis ça, il y a ce côté de Sonic, ouais, qui allait vachement bien avec le personnage charismatique. Exactement. Alors que c'est pas la mascotte à l'époque. C'était pas la mascotte de Sega avant la sortie. Non, absolument pas. Donc c'est ça qui est quand même dingue. Alex Kidd. Ouais. Le truc c'est que Alex Kidd en arrivant sur Mega Drive, il s'est un peu foiré complet. Donc Sega avait besoin d'un autre personnage que un petit bonhomme à grandes oreilles. Donc du coup, quand ils ont trouvé Sonic, ils n'ont pas hésité. C'est normal. Je pense que c'était un peu le choix de en plus de Sega de partir vers les ados plutôt que les enfants, et donc Sonic en plus tombait bien parce que là il a ce côté cool, ce côté rapide, c'est ça. La rapidité face au plombier moustachu, quoi. C'était Sonic est devenu aussi un system seller. Grâce à Sega of America, parce que à la base, le Sonic japonais, c'était absolument pas le personnage que l'on connaît. C'était un personnage qui était sombre, qui avait des griffes, qui était beaucoup plus noir, enfin qui avait une agressivité qui n'était pas celle qu'on lui connaît maintenant. Même s'il est plus racé que Mario, il reste cool. Alors qu'à la base, c'était pas du tout un personnage comme ça. C'était un chanteur dans un groupe qui sortait avec une gonzesse qui s'appelait Madonna, qui avait la même gueule que la star des années 80. Donc quand Tom Savisky à Sega of America, il reçoit le fax de Hayao Nakayama, donc le boss de Sega Japon, il regarde le personnage, il dit mais c'est quoi ce truc là? Mais non, mais on peut pas garder un truc comme ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des discussions assez houleuses hein, entre les
entre les deux boss des deux entités, donc un côté la États-Unis et de l'autre le Japon, et c'est Madeline Schroeder qui est la, une des pontes en fait de Sega of America, qui a dû se rendre au Japon, à Tokyo, et qui a expliqué, alors elle a clairement eu du courage, hein, parce qu'il a fallu aller devant les mecs de la Sonic Team pour leur expliquer, non mais votre jeu il est bien, mais par contre on peut pas garder un scénario comme ça, je veux dire Madonna, un personnage sombre et tout, et en fait comme on, ils sont partis sur un concept beaucoup plus simple, avec Robotnik, avec comment des animaux à sauver, etc. Et forcément, du côté japonais, ça a été très très mal perçu. Ça a été vraiment très très mal perçu. Mais au final, c'est ce changement qui a permis à Sonic de toucher un maximum de joueurs. Mmh. Alors juste pour info, parce que tu parlais de Sega of America, de l'impact de Sega of America sur Sonic, ouais. Sur le territoire américain, il s'est quand même vendu 3 millions d'exemplaires, hein, quand en Europe on a eu 0,9 millions quoi, voilà. Pour Sonic. Pour Sonic 1, ouais. Ouais, mais il y a aussi un truc aussi, c'est que Tom Skalinski qui venait de Mattel est quelqu'un qui travaille énormément avec des publicités agressives. Il a vraiment un marketing très, très agressif. Et en Europe, il y a certes eu de la publicité, mais c'est sans commune mesure avec les États-Unis, où il y a carrément eu des parades, des machins, des mecs qui allaient dans les magasins de jeux vidéo, où ils faisaient jouer les gamins sur le jeu en mettant Mario à côté. Les publicités comparatives étaient autorisées, voilà. Ouais, chez eux. Ouais. Même si la fameuse, même si on se gourre souvent, mais la fameuse pub qui dit Genesis does what Nintendo don't. Ouais. Ça, c'est absolument pas de l'essor de Tom Skalinski, parce qu'à l'époque, c'était Michael Katz qui était encore en poste à Sega of America. Mais Skalinski pour Sega, de toute façon, que ce soit pour la Mega Drive ou toutes les autres, il a fait énormément. C'est... Sans ce mec-là, je pense que Sega se serait vautré, parce que Hayao Nakayama était totalement omnubilé par Nintendo et il faisait que des conneries. Donc voilà. Et puis je pense qu'en fait, ils avaient pensé le personnage de Sonic pour que Sonic en lui-même, hein, le personnage, soit quelque chose de commercial, hein, qu'il devienne un dessin animé. Enfin, je pense qu'ils avaient déjà tout prévu. Hein, donc... Exactement, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Mais il y a des choses très rigolotes avec Sonic, hein, parce que par exemple, il faut savoir que le personnage aujourd'hui, quand on a découvert le jeu sur Mega Drive, ça allait très 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 vite. Ça a été du boulot de malade pour trouver les algorithmes qui permettaient à la Mega Drive de se surpasser, mais il faut savoir qu'il allait encore plus vite, le jeu à la base, et quand la Sonic Team a fait essayer le jeu, en fait, le prototype, en fait, aux équipes de Sega, il faut quand même savoir qu'il y a la moitié de l'équipe qui a été malade. Ils étaient malades, en fait, à force de jouer au jeu, donc il y en a qui ont eu des vomissements, ils ont eu des nausées et tout, donc en fait, ils ont abaissé la vitesse, alors c'est pour vous dire à quel point ça devait aller à fond. Et en plus de ça, le personnage, la couleur est passée d'un bleu clair à un bleu foncé, parce qu'en fait, ils n'arrivaient pas du tout à voir la différence entre le perso et puis le ciel au fond. Donc, voilà, ce genre de choses. Mais c'est vrai que y a l'histoire de Sonic est super, super amusante. Ouais. D'ailleurs, tu as écrit. Je ne sais plus si aux États-Unis, c'est à partir du 1 ou si c'est à partir d'un autre où ils ont voulu un peu casser l'espèce de mode 7 de la Super Nintendo avec le fameux Blast Processing qui ne fait référence à rien dans la console, mais non. Qui faisait semblant c'était un super mode de la Mega Drive que la Super NES n'avait pas, mais voilà. C'était sur les courses d'Emeraude ou non, c'était quoi? Non, c'était dans les pubs américaines où il faisait semblant que la Super NES a le mode 7, donc il faisait avec le mode 7. Alors, et là, il disait que pour Sonic, il y avait le Blast Processing qui permettait d'accélérer et tout. Mais je crois que Dunn, ça c'est plus tard. Je crois que c'est plus tard. Je crois que c'est peut-être après. Tu vois, pour Sonic 2, les fameux niveaux bonus, tu sais, en espèce de 3D, choses comme ça, ça a été en fait peaufiné par le programmeur principal de Kid Chameleon. Ils avaient des soucis en fait avec les perspectives, et c'est ce mec-là qui a filé un coup de main sur la fin du développement. Mais le blast processing, il est arrivé plus tard en fait.
mais regarde, quand tu penses au mode 7 de la Super Nintendo, en fait, quand on y réfléchit, alors évidemment à l'époque c'était énorme, c'était de la 3D, c'était du son stéréo et tout ce qu'on veut, mais en fait quand tu regardes aujourd'hui, c'est simplement une manipulation de sprites qui donne une impression en fait de générique un peu Star Wars, et en fait des sprites qui sont déformés en fait, et ils ont joué là-dessus. Mais quand le blast processing, finalement, c'est qu'un argument marketing, mais ça marchait. Ah oui, bah oui, c'est clair. Je pense qu'ils en avaient marre quand d'entendre que le mode 7. Alors il fallait qu'on invente un terme pour dire, bah, moi sur ma Mega Drive, j'ai du blast processing. Tu sais ça, tu vois. Ah oui, non, mais c'était. De toute façon, c'est que de la mise en avant marketing, hein, de toute manière. Ah oui, non, mais. On en revient toujours même. Un truc, c'est. Au Japon, Hayao Nakayama, qui est le boss de Sega Japon à l'époque, il est tellement omnubilé par Nintendo et sa réussite, en fait, et la réussite de la concurrence, qu'il en fait des cauchemars la nuit. Et le mec, il fait tout, en fait, pour surpasser Nintendo, et c'est pour ça qu'il va embaucher Tom Clancy, d'ailleurs, en allant chercher à Hawaï pendant que le mec se prélasse sur une plage, et pour le faire venir et lui dire, ben voilà, ta carte blanche pour exploser Nintendo. Mais donc tous les coups seront permis à l'époque, et ça l'est encore aujourd'hui, et ça l'a toujours été dans le jeu vidéo de toute façon. Vous, qu'est-ce qui vous a plu, qui vous a attiré dans Sonic Gothic peut-être? C'est un ensemble en fait, c'est le personnage, c'est la technique, c'est la vitesse, c'est le gameplay, c'est la musique, parce qu'il y a une bande son qui est absolument fabuleuse. Et voilà quoi. Pour moi c'était tout nouveau, c'était pimpant, ça foutait des étoiles dans les yeux, et il me la fallait quoi, la console. Les couleurs, le jeu simple à jouer. Ouais, et puis c'était l'impression de faire la vitesse quoi. C'était voilà, t'avais l'impression de jouer un jeu d'homme quoi. C'était pas le plombier quoi. Ouais, t'avais un hérisson super rapide d'un côté, et puis de l'autre t'avais un espèce de pizzaïolo un peu gros qui faisait rien quoi. Et c'était la bave dans la tronche. Hein. Ouais, c'est clairement une bave dans la tronche. Mais pour en arriver là, ils sont vraiment vraiment dû batailler quoi. Ça n'a pas été si simple. Hein. Petit Cerf, toi, tu l'avais eu à l'époque, le Sonic, ou tu l'as connu? En fait, c'était vers 91 quand mon grand frère avait acheté la Mega Drive. Donc, c'était vendu avec. Et le bundle, ce alors? Bien, là, c'est les musiques hyper lentes en 50 Hz. Ah oui. Il y a quelques années, j'ai switché la Mega Drive, pour passer en 60 Hz, quoi. J'ai eu un choc. Hein. Ah bah, tu m'étonnes. Oui, parce que. Mais bon, on était habitué. Enfin, je crois que même à l'époque, enfin, jouer en 50 Hz, enfin, c'était comme ça, mais c'était déjà pas mal. Enfin. On pouvait pas comparer, quoi. Avec, ouais. Bah, c'est ça, tu comparais pas. Ouais. C'est exactement ça, mais de toute façon. Sauf quand on avait une Mega Drive. Ouais, mais le 60 Hz, de toute façon, quand tu prends n'importe quel jeu. Le 60 Hz, tu redécouvres le jeu, quel que soit le jeu, à moins que ce soit un truc de stratégie un peu lent. Plutôt les musiques. Ouais, les musiques, ouais, c'est clair. Surtout une bande-son comme ça, qui était complètement dingue. Le mec qui a créé la musique, j'ai plus le nom en tête, mais c'est un artiste japonais, enfin un chanteur Nakamura. Japonais, un groupe japonais. Ouais, c'est Masato Nakamura. Ouais. Non, ouais, voilà, mais c'est comment le groupe Dreams Come True. C'est le mec, quand il s'est retrouvé à devoir bosser sur Mega Drive, il avait en fait, si je me trompe pas, il avait 4 boucles. Il pouvait faire 4 boucles musicales. Donc en fait, il a fait une tambouille comme il pouvait. Et chose amusante, il était tellement nul au jeu qu'il voulait. Il n'arrivait pas à passer les premiers niveaux, donc il avait tout le temps la même musique, que Sega, en fait, lui a proposé une cartouche un peu modifiée qui lui permettait de passer les niveaux pour qu'il puisse écouter ses musiques. Et il a également raconté que sa chanteuse était meilleure que lui, et qu'une fois, il est allé chez elle, et en fait, elle jouait, et du coup, il a pu écouter toutes les musiques les unes après les autres, parce qu'elle était beaucoup plus forte à Sonic que lui, quoi. D'accord. Alors sur Sonic, je pense qu'on a déjà dit pas mal de choses. On va pas trop s'attarder non plus sur les qualités du jeu, parce que bon voilà, c'est pas vraiment le but aujourd'hui de ce podcast. On va rester un peu dans le même domaine, hein, puisqu'on va passer sur Sonic the Hedgehog 2, qui est lui sorti en 92.
Et qui s'est vendu, grosso modo, en global, à plus de 6 millions d'exemplaires. Ouais. Donc, voilà encore, marketing hyper agressif, avec la parade de Thanksgiving et compagnie. Alors, voilà, c'est ce que j'allais dire, Thanksgiving, il me semble qu'il y avait, j'ai revu des images dernièrement, où on avait les gros Sonic, les gros ballons, là, comme ils ouais, aiment faire défiler. Hein. Ouais, bien sûr. Dans les rues de New York et tout, et tu pouvais pas passer à côté, parce que t'avais un énorme hérisson bleu dans les rues, avec je sais pas combien de personnes. Et Sonic 2 a aussi... Ouais, le mode coopératif, enfin, on pouvait jouer à deux. Voilà, on pouvait jouer à deux. C'était, enfin, moi je sais que c'était, ouais. C'était un gros... Bon, j'avais déjà la Mega Drive, donc forcément j'allais prendre Sonic 2, mais... ouais, c'était l'envie de pouvoir jouer à deux, un peu la déception après avec les images écrasées, mais sur le coup, voilà, c'était pouvoir jouer à deux. Ouais, même si le mode a été rajouté en toute fin et qu'il n'est pas ultra efficace, hein, ça reste aujourd'hui quand il rejoue quand même, c'est... Ah, c'est pas. Ah non, mais à l'époque, c'est pas optimum, mais faut dire que t'en as pas c'est beaucoup, ça. Donc le moindre petit truc un peu coopératif, t'es content. Ouais, et puis... T'avais les passages aussi sur Sonic 2 avec de la pseudo 3D là, c'est ça avec, ouais. Qui était ça c'était plutôt novateur quand même pour l'époque. Ouais, c'était bien fait, ça mettait une grosse baffe. Mmh. Bah, ouais, bah, ça, les musiques qui changeaient aussi sur certains stages en fonction de si tu jouais seul ou à deux. Ah yes, ouais. Oui, exact. Mais c'est pareil, hein, les niveaux bonus de Sonic 2 sont un clin d'œil en fait. Au décor au damier en fait de la zone 1 de premier Sonic, hein. C'est des clins d'œil. Et si je me trompe pas également, ces niveaux bonus ont été faits pour que les joueurs puissent découvrir en fait Sonic de dos, puisque c'était pas le cas en fait dans les autres épisodes. Ouais, voilà. Et pareil, Sonic 2, il a une histoire, enfin son développement est complètement dingo, parce que c'est un paradoxe à lui tout seul, parce que ça a été un bordel pas possible entre les Japonais et les Américains, puisque Yuji Naka, qui est un des pères de Sonic avec Naoto Oshima, donc était absolument pas satisfait des conditions salariales au Japon, avec Sega, il a failli quitter l'entreprise, et en fait c'est Marc Cerny, qui est l'ingénieur en chef aujourd'hui de la PS4, hein, qui a notamment développé des jeux comme Marble Madness, qui était à la tête de Sega Technical Institute aux États-Unis. Et ce qui s'est passé, c'est que Marc Cerny a dit à Yuji Naka, bah, à ce moment-là, tu viens avec nous aux États-Unis pour bosser sur Sonic 2. Et, tu viens avec nous, c'est ça ? Alors tu viens avec nous, enfin tu alors à la base Sonic 2 était pas prévu en fait, c'est que il lui a dit tu te ramènes avec nous aux États-Unis, t'essaies de convaincre ton level designer Hirokazu, je ne trouve plus son nom, mais voilà, qui est arrivé aux États-Unis, donc ils étaient deux arrivés de la Sonic Team aux États-Unis. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au début, ils arrivent et avec une petite équipe et on leur dit non, mais Sonic 2, on n'en a pas besoin. Pour l'instant, vous bossez sur un autre jeu. Donc, ils commencent à bosser sur un autre jeu. Et puis, au bout de deux, trois semaines, on leur dit non, c'est même pas au bout de 2-3 semaines, c'est au bout de 2 mois. On leur dit si, vite, faut bosser sur Sonic 2. Et en fait, à l'époque, les plannings faisaient à peu près du 12 mois ou du 11 ou 12 mois. Et en fait, il restait 9 mois pour terminer le jeu, quoi. Et Sonic 2 est complètement dingue parce qu'il y a eu des problèmes de visa, notamment avec les Japonais, il y a eu des problèmes de communication, il y a eu toutes ces choses-là. Les Japonais étaient complètement hallucinés par le côté « je bouffe sans arrêt » des Américains, mais ça c'est vrai. Hein. C'était « non mais qu'est-ce qu'ils font, ils passent leur temps à bouffer hein, ?» Alors que les Japonais, ils ont un code du travail qui est très très strict. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que malgré tous les problèmes, bah, Sonic 2 est considéré comme l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur épisode jamais sorti de Sonic, quoi. Donc c'est... Mais son histoire est assez dingue aussi, quoi. Bah, moi, perso, le Sonic 2, si il a été essentiellement en fait proposé peut-être par les idées des Américains, enfin, moi, je trouve qu'il est vraiment excellent, enfin, par rapport au... Enfin, pas par rapport au 1, le 1, c'est quand même quelque chose d'énorme, hein, mais...
je trouve que le deuxième épisode est quand même il met quand même un cran au-dessus, hein, au niveau tout vitesse, tout ça, graphisme est excellent, quoi. Moi, il est clairement optimisé. C'est tout à fait personnel. Ah, c'est personnel, oui, ça c'est sûr. Non, mais c'est mon avis. Oui, oui. C'est mon choix. Et on le respecte. Et effectivement, le 2, il est. Bah, je veux dire, il est aussi bien que le premier, mais surtout au niveau musique. Je pense que je préfère les musiques du 2 que du premier. C'est ton choix. C'est mon avis. Et effectivement, bon, je me rappelle de l'époque où on l'attendait aussi, ce jeu, quoi, vu qu'on était bluffé par le premier Sonic. Mmh. Donc je pense qu'on a dû l'acheter le premier jour, quoi, un des premiers jours de la sortie. Ouais, clairement. Bah, disons que il a cartonné. Hein. Ouais, et puis surtout, enfin, tu pouvais capitaliser sur le premier. Enfin, Sega a dû bien capitaliser sur le, voilà, sur les ventes du premier, sur le fait que c'était quelque chose de novateur. Et puis surtout, bah, c'était le deuxième jeu de, bah, de la nouvelle icône, quoi, de Sega. Ouais, c'est donc, ça. Puis c'est sorti en novembre 92, si je ne me trompe pas. Ouais, octobre ou novembre, je ne sais plus exactement. Ou octobre peut-être. Novembre, t'as raison. Ouais, novembre. Non, je crois. Et ce qui s'est passé, c'est que je crois que dans la foulée, Sega a carrément mis en place un partenariat avec la Formule 1, notamment Ayrton Senna et Alain Prost, si je ne me trompe pas. Et du coup, en fait, Sega était présent partout. À l'époque, il y avait Canal+, qui était une chaîne scriptée, mais qui faisait passer des pubs, je me rappelle... il y avait le truc de la publicité avec le cercle là, qui tournait, puis on voyait passer Sonic, et puis juste après il y avait la publicité de Sonic 2, donc ils ont vraiment mis des moyens mais colossaux, et là je pense que les moyens en Europe ont été quasiment aussi importants qu'aux États-Unis, hein. C'était avec les Renault Williams, non, ouais, exactement. C'était avec les Williams, ouais, t'avais, ouais, les pieds de Sonic avec, il y avait le pied, il y avait le logo Sega, excellent. Enfin, c'était, il y avait, si je me trompe pas, il y avait même les mains à l'intérieur, en fait, du cockpit, hein. Il y avait les mains de Sonic qui sur le côté, je sais plus, enfin, c'était super bien, super, ouais, bien foutu, excellent. C'était vraiment très très bien foutu, mais alors Sonic 2, c'est pareil, je préfère de loin les musiques du 2. J'aime beaucoup les musiques du 1 de Sonic, mais je préfère, enfin, la musique de Sonic 1, je préfère, c'est les premiers niveaux, parce que moi, de loin, je préfère nettement les musiques de Sonic 1 sur Master System. C'est un autre débat, mais du coup, c'est pour ça que je préfère vraiment plus les musiques du 1 sur Master et les musiques du 2 sur Mega Drive. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur Sonic 2? Oui, un renard à deux queues, quand même. Ça peut être pratique, n'est-ce pas? Bah, si tu veux voler, oui. Est-ce qu'il a fait vendre plus de consoles, Bob? Le Tails, en fait, il est né de la légende, hein, japonaise, le Kitsune, qui veut dire renard en japonais. Et en fait, pendant un temps, ils savaient pas trop si, parce qu'à la base, je crois que c'est un renard à 9 queues, je crois, dans la légende. Ouais. Et ouais, en fait, ouais, ils ont essayé avec 3, 4, je sais plus quoi, et ils ont mis 2, en fait, c'est pour signifier, en fait, sa jeunesse, et le fait qu'il soit un peu plein de conneries, ce genre de choses, quoi. D'accord. Et alors, et pourquoi il est jazzy, alors, donc Miles Prower, tout ça Ah, alors, cette histoire-là, elle est assez marrante, c'est que... à la base, je me rappelle plus du tout du créateur, hein, de Tails, hein, j'ai plus le nom en tête, hein, mais en fait, lui, il voulait absolument appeler son personnage Tails. Les Américains sont arrivés, et ils ont dit, enfin, les marketeurs, et ont dit, ouais, mais non, Tails, voilà, ça veut dire que, enfin, c'est fin, enfin, faut se mettre dans le. faut se mettre dans la peau, enfin, d'un Américain. Ouais, Tails, ça fait quand même bizarre, machin. Et puis du coup, en fait, ils l'ont appelé Miles Prower. Mais le mec était tellement énervé par cette décision, quand il a fait ses croquis, tous les croquis, en fait, de Tails, il a signé Miles Prower. En fait, en appuyant bien en gros le Tails, et en fait, c'est resté pour lui faire plaisir. Donc voilà, en fait, pourquoi il s'appelle Tails. Ah, d'accord. Non, mais c'est... Voilà. Et ben voilà, mais si c'était pas battu, on aurait eu Miles Prower, je sais pas quoi. Enfin bon, en même temps, faut quand même savoir que juste une petite anecdote, faut quand même savoir
que comment les marketeurs américains avaient des idées parfois complètement loufoques, puisque le Echo le Dauphin que tout le monde connaît aujourd'hui sur Mega Drive, il a failli s'appeler Bottle Chelly en référence au nom italien des Tortues Ninja. Donc, je vois pas trop le rapport, mais bon. Eh ben si, Bottle Chelly, c'était par rapport au côté bouteille à la mer, bottle machin. Ils ont putain, fait d'accord. Moi, je pensais parce qu'il aimait les pizzas, quoi, mais bon. Ouais. Mais non, mais toi, c'est pour dire. C'est chaud. Les créatifs ou les créateurs, qu'ils soient japonais, américains, ont tout le temps dû se battre et ils se battent encore aujourd'hui, depuis la nuit des temps, toujours contre des décisions marketing de malade. Ah non, mais et c'était ça. Hein, il fallait bien placer les consoles. Hein, c'était aussi ça. Hein. Ouais, enfin. Ouais, enfin, un dauphin qui s'appelle Bottle Chelly, moi je vois pas comment ça peut se vendre. Enfin, c'est. Mais il y a plein de trucs comme ça. Sonic 2 aurait pu être meilleur. Si on leur avait dit, vous bossez directement sur Sonic 2, ils auraient eu 2 mois supplémentaires, voilà. Là, on leur dit, non, on en a pas besoin. Et puis après, ils arrivent 2 mois après en disant, ah si, j'en ai besoin. Enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça. Et c'est. Ils sont cons, quoi. C'est Yamaguchi hein, qui a créé. Ouais, exactement, voilà, c'est ça. Ouais. Je ne trouvais plus le nom. Merci. Alors, pour la suite, on va rester en 1992 avec un jeu radicalement différent, mais pour moi qui est plutôt emblématique de la Mega Drive aussi, qui n'est autre que Mortal Kombat. Alors, c'est pas un jeu Sega, mais c'est quand même. C'est un jeu acclaim. C'est un jeu acclaim, ouais, mais c'est vraiment un jeu marquant de la Mega Drive. J'allais dire c'est qui Clem, mais. Okay, morse. Ne lui jetez pas l'eau pour toi. Bah, la question c'est vrai que c'est emblématique de la Mega Drive, mais est-ce que c'est. Ils ont vendu des Mega Drive grâce à Mortal Kombat, je sais pas. Je pense. Et si justement, pour une raison toute simple. Tout simplement parce que la version Mega Drive avait. Ouais, elle était non censurée. Ouais, je sais. Voilà. Et je pense. Ouais, mais attends, on parle des États-Unis. Hein, donc, Ouais, c'est sûr. À une époque, c'est vrai qu'on achetait Mortal Kombat. Moi, je sais que j'ai jamais été fan de jeux de combat. C'était juste pour faire les fatalités. Pas le reste. C'est juste parce que t'es nul au jeu de combat, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Ouais, non, mais complètement. Puis j'aime pas du tout ça. Mais les fatalités, tu vois, je peux passer mon temps à juste faire les fatalités. Ouais, mais il y a la technique. C'était des personnages digitalisés. Ouais, c'est aussi. Faut quand même se rendre compte. D'un côté, je sais plus quand il est sorti chaque fou, je crois qu'il est sorti plus tard, il me semble. Putain, le podcast de l'extrême, quoi. On passe de Mortal Kombat à chaque fou. Il y avait la technique du rotoscoping qui avait été utilisée. C'est 94. Qui a été utilisée dans Prince of Persia, la technique du rotoscoping. Et là, c'était les premières. Alors, je sais pas comment on peut appeler ça, c'était du. C'était des trucs filmés, en fait, c'était une espèce de motion capture, enfin, je sais pas comment. Voilà, c'était filmé, c'était numérisé et c'était digitalisé. Et les personnages, sans déconner, comment ça bougeait, c'était complètement dingo. Puis Régis, il faut quand même bien avouer que si on n'avait pas eu Mortal Kombat, tu n'aurais jamais pu t'éclater sur Street Fighter The Movie. Oh oui, au moins ça. Au moins ça. Non, je pense à celui-là. Ça fait vendre des Saturnes. On en reparlera plus tard alors. Voilà. Non, mais c'est vrai que Mortal Kombat a changé beaucoup de choses, notamment en termes de violence, parce que c'est quand même. C'est dingo, hein. Enfin, les fatalities. Alors, est-ce que c'était pas aussi le pendant, on va dire, l'éternel combat entre le Japon et les États-Unis, où d'un côté on avait Street Fighter 2, et de l'autre, il fallait avoir quelque chose de plus marquant US, parce qu'il a quand même plus un style. Moi, je crois avoir vu une interview de Ed Boon, le créateur de Mortal Kombat. Le frère de Danny. C'est pas de blague, ouais, voilà. Qui disait en gros Street Fighter 2 est un jeu qui est technique, qui est spectaculaire mais qui est technique, et en fait lui il voulait un jeu qui soit accessible directement, ce qui n'était pas du tout le cas d'un Street 2. Il faut quand même savoir qu'on se prenait des sacrés tôles contre des joueurs qui étaient plus forts que nous, alors que Mortal Kombat, Tu peux faire n'importe quoi, c'est un jeu pour Dan, tu veux dire, c'est ça, super bien, et puis, c'est très, 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 très spectaculaire.
Et d'ailleurs, je sais que ça fait un sacré boxon quand Nintendo a dit non, on veut pas de sang, nanana. Donc, est-ce que ça a été mis en avant? Parce que moi, j'ai pas su avant longtemps que la version Mega Drive avait le sang et pas la version Super Nintendo. Est-ce que ça, justement, ça avait été un argument à l'époque? Alors, je ne saurais pas te dire si ça a été utilisé dans les publicités, mais ouais, je pense que si, quand même. Je pense que déjà, entre les joueurs, ça devait tourner. Ça et puis surtout, aux États-Unis, ça devait... Enfin, je pense que c'était ce genre de choses qui devait... Ils devaient bien appuyer dessus, je pense. Ah, pas fatalement. Ouais. Bah, c'est toujours pareil. C'est que nous, en Europe, en France, on n'avait pas le droit aux publicités comparatives. Mm-hmm. Aujourd'hui, on y a le droit, mais depuis pas longtemps. À l'époque, c'était totalement courant. Donc, je pense qu'il y en a plein qui sont amusés à mettre Street Fighter d'un côté et puis Mortal Kombat de l'autre en disant mais regardez, c'est complètement dingue. C'est exactement en fait comme on va le voir plus tard avec même si c'est pas le sujet du podcast, mais entre Tekken d'un côté et Virtua Fighter 2 de l'autre. D'accord. Tekken 2 et Virtua Fighter 2. Virtua Fighter 2 est un jeu très technique qui est pas spectaculaire en le regardant. Tekken 2, ça met la patate directement, alors que c'est moins fin. Bah là, c'est exactement pareil. Et je pense qu'ils ont joué là-dessus, évidemment, aux États-Unis, pour Mortal Kombat. Ouais, et puis, vas-y, pardon. Je me rappelle avoir joué à Mortal Kombat, enfin, à l'époque, hein, quand il y avait la pub Mortal Kombat. À Confo ou pas? T'avais joué à Confo ou pas? Ouais, à Confo, je faisais 20 km en vélo. 20 km en vélo pour aller jouer à Confort. Ouais, mais tu sais, il est du plat pays, donc tu sais, ça, il y a pas de souci. Mais je sais plus que pour parler de Mortal Kombat. Enfin non, mais je me rappelle que c'était surtout l'arcade. Enfin Mortal Kombat sur l'arcade et qu'il fallait essayer de faire les fatalités tout ça. Mais je me rappelle pas que la conversion Mega Drive en fait était plus fidèle que, enfin, était moins censuré. Super NES, ouais, c'est... Et je me rappelle pas justement que ça avait été un argument en fait qui a sûrement fait vendre plus de consoles et plus de jeux. Hein. Chez nous, je pense pas, mais aux États-Unis, j'en suis quasi certain. Bon, en plus, ouais, c'était. Chez nous, je pense pas, mais ouais, aux États-Unis. C'était publié par Midway là-bas directement, je crois. Je crois que c'est Midway qui était là-dedans, donc... Ouais, je crois que c'est Midway, ouais. C'est typiquement le type de jeu américain, quoi, qui développait. Ouais, puis moi, je me rappelle, j'ai eu la version Super Nintendo de Mortal Kombat, et un jour, je viens chez un pote, et il avait le même jeu, et j'ai dit, mais c'est pas possible, c'est pas le même jeu, c'est quoi, c'est le même nom Mais comment tu fais pour avoir tes gouttes de sang, toi? j'étais dégoûté en revenant chez moi parce que je disais merde. Techniquement, il est vachement bien sur Super Nintendo, mais il avait acheté le DLC. Ah non, merde, ça existait pas, quoi. Exactement. Hémoglobine DLC, cool. Ouais, pour moi, c'est vrai que c'était un jeu qui était vraiment typique de la. Du côté mature de la Mega Drive. Ouais, totalement. D'ailleurs, enfin, moi perso, Mortal Kombat, c'était Mega Drive. C'était pas assimilé à la Super NES pour moi. C'est alors qu'il était sorti, hein, mais pour moi, il était pas. Il y en a plein qui pensent ça. Ouais. Je pense que en fait, tout comme Street Fighter, c'était. Ouais, la version Street Fighter 2 sur Mega Drive, pour moi, c'était moins marquant que de l'avoir sur Super NES. C'était en plus un bundle Super Nintendo. Je sais pas s'il y a un bundle. Il y a eu un pack sur Super NES aussi. Drive 2 plus. Tout à fait. D'accord. Ah je pense que c'était justement les faire rechercher. Hein. D'ailleurs, Kotick va nous en faire les photos. Il est encore sous blister. Ah merde. puis Mortal Kombat, je sais pas, le film est sorti quand? 93? Ouais, ça doit être à peu près. Peut-être un petit peu après, non, le film? 94, ouais, je pense, ouais. 94, ouais, donc... Je sais plus, faudrait que je regarde, mais... Raiden. donc en fait, il a fait Highlander, et puis derrière, il a dit... Je tiens bien le rôle, c'est bon. Je vais regarder, mais je pense...
pense que le film a dû quand même faire vendre quelques jeux. Ça a dû faire vendre quelques jeux, je pense. Hein. Après, 95, voir, Mortal Kombat. Ouais, ça fait tard. Hein. 95 ? Ah non, c'est plus tard. Bah ouais, maintenant je me plains. Ouais, mais ça continue. Ça a dû faire vendre du Mortal Kombat 2 sur Saturn. Ah, oui, ah, oui. Ouais, 95, ouais, ça a fait vendre peut-être du 3, quoi. Ouais. Ouais, ou du 3, Ultimate Mortal Kombat 3. Si, je pense à un truc. Il y a un truc qui a pu très très bien faire vendre le jeu. Il y a quand même plein de personnages qui sont assimilés à des acteurs célèbres. Je pense à Liu Kang, qui faisait penser à Bruce Lee, par exemple. Mm-hmm. Oui, c'est clair. Et Johnny Cage, c'était Jean-Claude Van Damme dans Bloodsport. Ouais, avec les lunettes. Ouais. Et voilà, exactement. Et je pense que ça a pu jouer également. Et Kano, alors c'était qui ? C'était Hannibal Lecter ou avec les dents ? Alors ça, j'en sais rien. Je me rappelle juste de sa fatalité. Non, c'était pas Kano, c'était Baraka. Baraka. C'est Baraka, ouais, je me trompe. Ah, mais ça, c'est Mortal Kombat 2. Ouais. Oui, c'est Kano dans le premier, t'avais raison. C'est Kano dans le premier, ouais, c'est ça. Ouais, c'est Kano, ouais. Heureusement qu'on le dit pas en français, parce que Kano, vous imaginez ? Kano. Kano. Bon, je pense qu'on a fait à peu près tour là sur Mortal Kombat. Ouais, moi j'ai pas trop de choses à dire sur Mortal Kombat parce que moi, bon, à l'époque j'étais assez jeune et j'ai pas vraiment connu ce jeu. Je me rappelle l'avoir eu apprêté une fois par un pote de primaire, mais à part ça, t'y jouais en pleine nuit quand tout le monde dormait, quoi. Ouais, en primaire, t'as fait des cauchemars, quoi. Oh putain. T'as vu les fatalités, quoi. Finish him. Je t'ai bouffé la tête. Entre les billes et les pogs, on s'échangeait les jeux. Ouais. Si, ouais. Non, mais j'ai jamais été vraiment fan du gameplay en plus, donc c'était pas. Oui, pardon. Il y a du gameplay sur Mortal Kombat. Ah oui, justement. Non, mais pour moi, ça m'intéressait pas trop, quoi. Ouais, c'est un spectacle, hein. Ça, ouais, et puis pour faire les fatalités, c'était pas évident, enfin, quand même. Non, c'est super dur. Bah, surtout que maintenant, on a Internet pour les trouver, les paradis. Oui, non, mais à l'époque, à l'époque, quand tu voulais. Enfin, t'avais les pubs Mortal Kombat partout, tu dis pas je vais jouer sur arcade. Mais, je sais pas, il fallait faire combien de manœuvres sur le stick pour, je sais pas, gauche-gauche, haut-haut, bas-bas, enfin, tout ce qu'on... même en ayant les commandes, on n'arrivait pas, donc... Non, c'est clair. Combien de fois, moi, je hurlais sur la console parce que je disais, mais merde, j'ai pourtant le truc, j'y arrive pas. Je vais pour, je sais pas, arracher un cœur et puis là, je fais un uppercut. Dans la merde, je suis chier. C'est ça, ouais. C'est exactement ça. T'as fait le combat de malade, tu dis, allez, c'est bon. On était content quand ça tombait. Je sais pas si sur Mega Drive c'est pareil, mais sur un des niveaux qui s'appelle The Pit, oui. Où si tu envoyais un uppercut, il tombait dans les pics en bas. Ouais. Au moins, je l'ai crevé comme une merde. Donc là, t'étais content d'avoir foiré ta fatality. Mais sinon, tu t'énervais. Putain, moi, je me rappelle, je m'énervais sans arrêt. Ah non, mais le feeling, c'est exactement ça, c'est vrai. Ça, voilà, ouais, c'est ça. Ne serait-ce que le cheat code pour avoir le sang, justement, sur Mega Drive. Parce que c'était sur cheat code, hein, de mémoire. Ah ouais, tu l'avais pas d'office. Fallait faire le ABACAB. Alors ça je. ABAC ABB pour avoir le. Ah mais oh, putain. Putain, il ressort ça gothique, quoi, mais. Juste à la fin. Il y a de le tester, hein. Il y a, ça fait 5 minutes, hein. Il y a des direct. Non, je m'en suis toujours rappelé celui-là. Je sais pas pourquoi. Ah ouais, le sang était pas directement. Non, fallait faire ABACAB. Et je reviens à mon truc de dire que ça se trouve, Mortal Kombat n'est pas un système seller pour le Mega Drive. Hein. Ouais, il s'est quand même bien vendu. Il est quand même dans les 10 jeux les plus. Est-ce que tu achetais la Mega Drive pour Mortal Kombat ? Eh, mais du coup, ouais, mais les développeurs, ils ont quand même pensé. Mais oui, il c'est pas comme la version Super NES où il n'y a absolument pas le sang. Bah, Voilà, fallait le savoir. C'est-à-dire que tu devant le magasin, enfin, je me vois pas me dire, je prends la Mega Drive pour sa version de Mortal Kombat. Ouais, mais là, tu fais le podcast. C'est ton choix. C'est mon choix aussi. C'est ton choix. On le respecte. Non, mais on l'a dit de toute façon. Mais... Le fait d'avoir joué un système seller, c'est difficile. Ouais, c'est très. Ouais. Et puis, quand tu regardes les chiffres de vente, ils sont là quand même. Hein. Enfin. Ah, ils sont là, mais est-ce que c'est pas les gens qui ont déjà la console ? On peut pas de toute façon suivre chaque personne si ils ont acheté la console pour Mortal Kombat ou pas. Mais, tu peux pas tromper 1000 fois une personne. Voilà, c'est ça.
Bon, on va passer à un autre système seller qui, celui-là, je pense, en est vraiment un. Je pense qu'on va tous être d'accord. Streets of Rage. Ah oui. Ah ouais. Streets of Rage qui est quand même la réponse de Sega à l'adaptation de Final Fight sur Super NES, avec son fameux mode un joueur sur Super NES. Oui. Ouais. Et qui était bien, enfin, le mode de joueur qui était bien mis en avant sur Streets of Rage. Hein. Ouais. Donc sorti, là on remonte un peu, hein, à peu près en même temps que Sonic 1 en 91. C'était été 91. Développé par Sega avec des musiques de fou de Yuzo Koshiro. Ouais, des musiques expérimentales. Ça, c'était la grande claque. Alors pourquoi il aurait fait vendre des consoles à votre avis? Voilà, pour le mode coop. Hein, ouais, je pense aussi. Hein. Clairement. Beat'em All qui ressemble. Voilà, c'était la mode des Beat'em All qui joue à deux. Qui ressemblait beaucoup à Final Fight quand même. Mine de rien, on joue sur le même écran. Hein. Ouais, sur le même écran. Ouais. C'est confortable, c'est fun. Puis c'est du Beat'em All qui est quand même. Pour du Beat'em All console qui est à la pointe de ce qui se fait en Beat'em All à cette époque-là. Complètement. Avec une femme dans le casting, ça peut être important. En plus. Ouais. En plus, ouais. Dans Golden Axe. Golden Axe aussi, ouais. Golden Axe, elle est un peu plus dénudée. C'est quand même plus agréable à l'œil. Mais la direction artistique de malade aussi. Hein. Ah, mais ouais, c'est clair. Mais tout est cohérent sur Streets of Rage, c'est ça qui est... Ouais, ouais, c'est cohérent, mais pourtant, la musique qui est complètement dingue, c'était vraiment une expérimentation totale de la part de Yuzo Koshiro. Mm-hmm. C'est étonnant, quoi. Quand on dit expérimental, en fait, c'est qu'il était en mode Gilbert Montagnier sur son clavier ou... C'est-à-dire qu'il a fait des milliers de tests pour exploiter au maximum la puce sonore de la Mega Drive. Mm-hmm. Ça a donné ces musiques technoïdes d'un autre temps, quoi. C'est quand même énorme. Enfin, ces musiques, moi, je sais que j'ai refait les deux Streets of Rage. Donc là, on parle pas du 2, on parle que du 1, mais j'ai refait sur les versions développées par M2 là sur 3DS, les 3D Classics. Et franchement, mais les musiques, mais comme ça envoie, mais pff, c'est. Mais tout à fait. Les fois où je rejoue à Street of Rage, quoi, c'est surtout pour écouter les musiques. Ils écoutaient un MP3 sur l'ordi, quoi, mais mm-hmm. C'est quand même l'ambiance, quoi, le contexte, mais c'est surtout les musiques qui font qu'on vient sur ces titres, je pense. Puis c'est ça qui est fou, c'est que, enfin, Régis, tu nous dis que voilà, c'est de l'expérimental, mais quand tu regardes, mais ça colle, mais parfaitement, quoi, aux différents niveaux. Il a passé des heures et des heures à bosser sur pour que ça fasse quelque chose de cohérent, mais tu parles de quoi? C'était quoi? Été 91. C'est ça 91. Hein, donc, ouais. Voilà, donc la Super Famicom était sortie au Japon. Et quand on écoute les musiques de Street of Rage, ça n'a rien à envier au processeur sonore de la Super Nintendo. Ah, mais c'est clair, contrairement à ce que disent la plupart, hein, qui sont toujours là à chier sur la Mega Drive. Ouais, c'est surtout que le processeur sonore de la Mega Drive est assez spécifique, et donc là forcément les musiques, c'est le genre qui est adapté pour cette puce, donc ça rend extrêmement bien ce que la Super Nintendo serait pas capable de faire. Le problème, c'est quand d'autres éditeurs essayaient de faire des musiques qui ne correspondaient pas à cette puce qui était assez spécifique. Ouais, tout ça, oui, parce qu'elle a un son un peu métallique, en fait. Mmh. Et le son métallique, en fait, comme Yuzo Koshiro a toujours dit, que c'est ce qui lui a permis, en fait, d'obtenir ce grain si particulier sur ce rendu. Et c'est ce qui fait aussi qu'il y a pas mal de shoot 'em up sur Mega Drive qui ont des publics par terre. Ouais, parce que t'es sur des styles de musique très particuliers. Tu penses à quel titre? Bon, les Thunder Force déjà. Déjà les Thunder Force, mais après des titres un peu plus spécifiques. Enfin, déjà les Toplands, parce que je suis fan de Toplands, mais les Glay Lancer, les Eliminate Down, il y a des titres avec des voilà. Avec Moucha à l'est. Moucha à l'est. Voilà. Vraiment, complètement. Bon, ça, on pourra en rediscuter une prochaine fois. Je pense qu'il faudra qu'on fasse un podcast sur les shmups de la Mega Drive, parce qu'il y a vraiment de quoi dire. Sur Streets of Rage, vous avez des choses à rajouter ou on peut passer à la suite?
Pour la petite histoire, c'est le premier jeu que j'ai eu avec Sonic, puisque du coup j'ai eu le pack Sonic et Street of Rage en même temps. Donc alors là, moi j'étais, enfin j'avais quoi, je devais avoir 10-11 ans, enfin, j'étais comme un fou. C'était un pack qui était, enfin comment, c'était, le... c'était parce c'était que je vois pas du tout. Mega Drive 1, Sonic plus Street of Rage. Et t'avais deux cartouches ou t'avais une cartouche? Ah, t'avais deux cartouches. Il y avait les deux jeux en fait en. D'accord. Normal quoi. D'accord. Et... Ah d'accord, donc là il prenait vraiment encore le client pour voilà. Et c'est bon, c'est parti quoi, rouler jeunesse. Il vous faisait plaisir quand même, il donnait les deux jeux. Ah bah oui. Oui. Il faisait pas encore les Mega Games. Ah oui, où tu mettais ouais. 4 jeux sur une cartouche quoi. Ouais, c'est bon, après. C'est vrai, quand on sort du CPC et de la Vidéopack, bon, qu'on a fait quand même quelques petits tours sur la Master System chez les cousins, mais qu'on arrive tout de suite sur Sonic et Street of Rage, bah c'est juste la claque quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Non mais voilà, voilà en fait c'était ça. Sega en fait pose son jeu de plateforme. Sega après pose son jeu de combat et voilà. Enfin moi je l'avais déjà le Mega Drive à l'époque où Streets of Rage est sorti, mais ça m'a conforté dans le fait que c'était un bon choix parce que t'avais Sonic, après t'avais Streets of Rage, t'avais déjà aussi Shinobi avant et franchement, t'avais des super hits dans tous les thèmes quoi. Columns, puzzle game, non? Ouais. Les puzzle games, franchement. Ceux de Tetris. Par contre, en jeu de bagnole, il y avait juste Outrun. Super Monaco, non? Ouais, Monaco. Super Monaco, sur quoi, ouais. Super Monaco. Ouais. Moi qui étais fan de F1, Super Monaco, c'était génial. Mais en fait, c'est super... Angon après. Ouais, Angon. Ouais. C'est de la moto. Tu l'avais dans la pub, tu l'avais dans la pub avec le punk là, Monaco. Yes, oui, je me souviens de cette pub. C'est en avant, c'était que, enfin, je me rappelle, enfin, quand je voyais les pubs Sega avec pour la Mega Drive, tu voyais le punk avec Shinobi, Monaco, avec quoi d'autre, Sonic, il y avait aussi Sonic. Ouais. Et tout ça, c'était fait, enfin, pour mettre en avant les jeux qui feront vendre les consoles. Eh ben moi j'ai acheté Sonic, j'ai acheté Shinobi. Bon, j'étais peut-être pas fan des jeux de course au point d'acheter Monaco, mais ça marchait. Enfin les pubs elles marchaient. Mmh. Ces pubs, enfin c'est tout l'aspect marketing qui m'a fait acheter la console. Hein. Il jouait pas à Strider le punk d'ailleurs. Dans mes souvenirs, je sais pas pourquoi j'ai Strider ou Strider 2. Ah, peut-être qu'il passe dans. Ou alors c'est dans la parodie des nuls, hein, je sais plus, c'est peut-être. Non, mais je crois que les pubs avec le punk, il y en a où c'est un jeu spécifique, mais de temps en temps, il y en a où il y en a plusieurs. Avec plusieurs ouais. jeux, donc il était dans ces. Ouais, ouais, ça faisait des flashs de plusieurs jeux, donc. Ça faisait un genre, tu t'achètes la Mega Drive, mais t'achètes plein de jeux, enfin tu voyais tous les jeux à venir, donc enfin voilà, ça te donnait. Ouais, et puis t'étais quitte d'aller au Conforama, toi déjà. Voilà, mais, j'avais déjà, enfin voilà, j'allais plus au Conforama, elle était chez moi. mes parents. Il attendait d'aller jouer à la Saturne à Conforama. Bah là, après j'avais le permis. Donc j'allais en voiture. Okay, un peu plus. C'était moins fatigué. Non mais c'est vrai que les pubs avec le punk c'était complètement génial. Il y avait Strider, il y avait Sonic, il y avait Moonwalker, il y avait c'était à mourir de rire. D'ailleurs, je me demande si ces pubs-là ne sont pas des system sellers eux toutes seules, parce que moi, c'est vraiment des vraiment bonnes pubs. Quoi. Vraiment excellentes. C'est ce qui a manqué à la Saturn en Europe. Bah oui, mais moi, je voyais la pub. Enfin, moi, c'était Shinobi. Je voyais Shinobi avec le dinosaure. Mais nous, on n'avait pas le dinosaure de la pub. C'était pas la même chose. On avait un truc différent. Nous, on avait un squelette. Les Japonais avaient un dinosaure. Et nous, on avait un squelette, en fait. Enfin, c'était un truc différent. C'est pas Godzilla ou... Ouais, c'est... Godzilla. ça me rappelle un autre podcast, ça. Godzilla, tiens. Mais je pense qu'ils ont dit, on va mettre un semblant de Godzilla, mais pour les Européens, on va mettre un squelette de dinosaure. Ben, c'est quand même un squelette qui crache du feu, donc... J'ai quand même acheté Shinobi.
Alors maintenant, si vous le permettez, on va passer sur un autre, pour moi, un autre titre marquant de la Mega Drive, qui est Altered Beast. Ah, ouais. Les hommes en slip. Les hommes en slip. Qui font de la musculation. Bah, attends, ils grossissent à vue d'œil. Attends, et ils craquent même le maillot, quoi. Moi personnellement j'ai pris la Mega Drive pour ce, alors j'aurais peut-être pris de toute façon parce que j'étais plutôt fan de Sega, mais c'est ce qui m'a vraiment décidé, c'était Altered Beast, et après on en reparlera plus tard. Voilà, non mais c'est vrai que bon, même moi j'en rigole peut-être après, mais sur quand il est sorti, je veux dire, c'était la claque visuelle, il y avait rien d'équivalent nulle part ailleurs, parce que la Super Nintendo n'était pas sortie avant des années. Et puis tu voyais ce qu'il y avait sur Master System, enfin, ça faisait vraiment un décalage net. Hein. Enfin, Bah, t'avais des personnages énormes à l'écran qui se transformaient, enfin, c'était juste une baffe technique, il n'y avait rien d'autre, mais voilà, quand tu joues la première fois, et c'est impressionnant. Et tu dis, convaincu. Clairement. Non, mais c'était ça, tu voyais vraiment la différence entre la génération d'avant, 8 bits, et celle qui allait venir, enfin, génération 16 bits, tout de suite, tu voyais la différence. Hein. On était proche de l'arcade. C'est ça. Et puis la version Mega Drive, elle est quand même bien foutue, d'Altered Beast. Ouais. Puis il y a un mode de joueur. Mega Drive, je suis pas sûr, non. Je crois que c'est qu'un seul joueur. Il y a un petit gap avec la version arcade. Hein. Je sais pas si vous l'avez revu. Disons qu'à l'époque t'étais content. À l'époque, tu découvrais ça. Oui, c'est clair que. C'était tellement proche que tu disais ouais, j'ai l'arcade. Ouais, ça fait son petit effet. Puis t'avais comme disait Petit Cerf en off tout à l'heure, les voix quoi, les voix digites quoi. Oui, les digites. Ouais. Rise from your grave. Quand tu l'as payé une blinde en Jap ou en import, de toute façon, tu lui trouves plein de qualités. Putain, il y a du vécu là. Y a du vécu. Ça soit dans d'autres jeux. Hein. Je suis vraiment habillé sur Altered Beast. Mais de toute façon, il y a aussi ce petit côté-là. C'est les premiers jeux. T'en prends plus plein les yeux. Et il est pas mal. Il est bien. Regarde. Vegis, Street Fighter The Movie, tu l'as acheté en import, c'est ça? Ouais, je l'ai trouvé avec Virtua Fighter Kids, avec la cartouche permettant de passer les jeux import. Voilà. Dans une trocante. Donc, voilà. Une petite précision sur Altered Beast. Si je regarde Guardiana, la cover Jap, il marquait 1 à 2 joueurs. Mais moi, ça pouvait marcher. Putain, mais je sais pas pourquoi j'étais persuadé. Peut-être parce que j'avais pas d'amis. Il me semble qu'il y a un mode de joueur. Faudrait revoir. Moi, je pense que ça pouvait passer en deux joueurs. Il m'a absolument pas marqué ce jeu, mais. Comment Tu n'as pas aimé Altered Beast? Qu'est-ce que tu faisais à l'époque? Enfin, à l'époque, Altered Beast. Altered Beast? Oh, je sais plus, mais. Si, il y a bien un mode de joueur. Hein. Oui, bah, mais c'est. Mais attends. Il y a une capture d'écran, il y a deux joueurs en fait. Ouais, mais. Capture de vie. Ok. Ah, deux trucs de vie? Il y a deux joueurs. D'accord. Ouais, je crois. Mais c'est vrai que. Bah, ah oui, ils sont. Ouais. Moi, je me souviens que c'est les débuts. Enfin, quand tu prends la console à sa sortie, la manette te coûte le prix d'un jeu, donc en fait, t'achètes un jeu. En plus. Exactement. Oui, ouais, donc tu testes pas le mode de joueur parce que t'as pas de. Oui, mais. C'est la problématique. Voilà. Oui, mais. Sauf si tu achètes un pack avec deux manettes comme moi. Ouais, mais à la sortie de ta console au Japon, t'as pas le choix. T'as pas de pack, y'a rien. Tu prends juste la console et tu prends deux jeux. T'as même pas. Oui, mais Don, c'est pas toi déjà qui avais parlé de la fameuse PlayStation? Ou entre la carte mémoire et un prix d'un jeu. Ah oui, c'est ça. Et tu préférais prendre un jeu, ne pas sauvegarder, laisser la console allumée pendant 3 mois s'il fallait. C'est ça. C'était pas sur le podcast de la Saturne, ça, sur le jeu de Pixel? Ça m'a marqué. J'ai fait pareil. Bon, juste pour la précision, parce que Petit Cerf l'a dit, donc sur Guardiana, donc sur la fiche d'Altered Beast, je voulais quand même signaler qu'il y avait un screenshot qui valait son pesant d'or, hein, parce que Altered Beast, quand même, avec le mec qui a 4 pattes, c'est quand même, ça vaut son pesant d'or, quoi. Je sais pas si c'est toi qui l'as choisi, mais. j'ai plus souvenir. Donc deux joueurs. Ouais. Je sais pas, j'étais persuadé que c'était comme du tour par tour, comme on faisait. Non, il y a bien un mode de joueur. Ouais.
Mais bon, c'était lent, c'était chiant. Je me demande si j'ai pas joué en plus de toi, mon meilleur pote de voisin qui avait pris la Mega Drive pour Alter Beast. Donc comme quoi, il y a bien des gens qui prennent la console pour le jeu. Et effectivement, j'ai des souvenirs de ça. Et c'est les deux personnages sont côte à côte, je crois, il y a un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Tu vois, sur l'image, t'as les compteurs de vie en haut. Ouais. T'as celui qui est le joueur 1 qui est en couleur normale et celui qui est à droite, enfin l'autre, il est en vert, quoi. Il est tout vert. Ouais, mais c'est parce que vous étiez pas... je sais pas, vous aviez quel âge à l'époque? Enfin, moi, j'étais déjà ado, donc... T'es un vieux, toi. Tu voyais Welcome to my doom, tout le truc comme ça. Rise from your grave. Non, mais si... J'avais 10 ans, moi, donc... Ouais, moi, j'avais... Ouais, pareil que Gothic, quoi. Attends, il est sorti en quoi? Il est sorti en 90? Non. 90? Ah bah non, j'avais 9 ans. 8. 9. Au 88. Ah non, 88. Ah bah non, j'avais... Sorti à la... À 88. 88. Et sur Mega Drive? Non, mais pour l'Europe. En Europe, ouais, parce que le Japon, c'était... Et sur Mega... Il est sorti en... En 89, ouais. 89 en Europe. 89, et j'avais... J'avais 9 ans, moi. 8 ans. Ouais, bah voilà, pareil. 9 ans, ouais. Bah voilà. Moi, j'avais joué en arcade, par contre, à celui-là. Voilà, fallait prendre son vélo, et puis... aller à Confo. À la Confo. Et franchement, se taper 20 bornes pour aller jouer avec des hommes en slip. Faut vraiment être dérangé, quoi. Faut vraiment se déguiser en femme au carnaval de Dunkerque. Moi, je peux pas dire quoi. Non, mais quand il a vu Shoah plus tard, il a dû sauter dessus direct. C'est quoi le jeu Saturne, en fait? C'est son seul jeu qui lui reste. Et j'y suis allé et encore allé jusqu'à. Aller à la fin du jeu à Conforama. Tu es à la fin d'Altered Beast à Conforama. sur la porte de démonstration. En fait, c'était lui le vendeur des Mega Drive, quoi. Ah, c'est ça. Mais par contre, il y a une petite anecdote sur Altered Beast, c'est que je sais pas s'il savait déjà à l'avance ce qu'allait devenir Alex Kidd, mais les deux tombes qu'on voit au début, c'est les deux prénoms des protagonistes d'Alex Kidd sur Master. Excellent. Donc, ils avaient peut-être déjà prévu, bon, Alex Kidd c'est fini, hein. Alors, je vous préviens tout de suite, il y a les tombes, ils sont morts. On sait pas trop ce que les hommes en slip leur ont fait, mais... Non, mais... On veut pas savoir non plus. On veut pas savoir. Ça me fait penser, Altered Beast, je me demande si c'est pas un des rares jeux Mega Drive où l'artwork japonais, c'est le même que le reste des autres versions, quoi, les versions occidentales. D'habitude, en Occident, on se tape une autre version, quoi. Ouais. Plus théorique. La version américaine. Plus pourrie, tu peux le dire. Non, tu peux voilà. Le dire. Voilà. Voilà, clair. Non, mais tu peux. Ah, oui, en fait, t'as le même artwork, mais il est pas totalement identique. Les couleurs, elles sont un peu différentes. Et on a un petit bout de Bristol, quand même. On a un bout de Bristol, ouais, chez nous. Ouais. On a un bout de Bristol. Attends, mais qu'est-ce que vous entendez par Bristol depuis tout à l'heure? Enfin, c'est le... Tu sais, c'est le quadrillage. Ah, c'est le Bristol. Ah, d'accord. Comme les MyCards sur Master System. Genre. Oui. C'est vrai que... N'empêche, c'est quand même Altered Beast qui donnera... Les pistes à son créateur Makoto Uchida pour Golden Axe plus tard. Hein. Donc il n'a pas tout de mauvais ce jeu finalement. Non, mais il n'y a que toi qui en dis du mal. Hein. Oui, alors attendez, j'essaie de trouver Alex Kidd. Ah non, mais c'est vrai? Bah oui, non, mais. Non, mais j'ai jamais fait attention. C'est le créateur de la série Dynamite DK aussi, si je ne m'abuse. Mister Uchida. Uchida, ouais, il me semble, oui, Dynamite DK, ouais, c'est ça. Ouais. Quelqu'un de bien, quoi. Ouais. Alien Storm aussi, non, je crois qu'il avait fait. Alors, on va continuer dans la liste. Là, donc, on a fait un peu le tour des gros jeux, mais on voulait faire une petite aparté sur une rubrique un peu particulière, à savoir les jeux Disney sur Mega Drive. Qui sont des gros jeux, effectivement, mais disons qu'on a voulu les regrouper dans une seule partie. Bah moi, comme j'en ai parlé juste avant pour Altered Beast, moi, c'est vraiment les deux jeux que j'ai eu au début de la console et que je voulais absolument, c'était Altered Beast et surtout Quackshot. Quackshot.
là, qui la première fois que je l'ai lu, je trouvais une grosse claque, je trouve ça exceptionnel, et que j'ai trouvé exceptionnel à jouer d'ailleurs. Mmh. Et c'est vrai que la Mega Drive, je pense que les jeux Disney en général sont des systèmes sellers de la Mega Drive, parce que c'était des jeux qu'on retrouvait que sur Mega Drive, mmh. à part le Disney, mais il était vraiment différent. Et puis d'autres, et à chaque fois, souvent, c'était d'autres versions. Mais je veux dire, les premiers Mickey, Castle of Illusion. Pour revenir sur Quackshot, Quackshot, moi, c'est vrai qu'il me donnait envie quand je le voyais chez Micro Kids qui se tapait les concours, là. Je sais pas si vous vous souvenez. Oui. Quand il y avait les deux gamins qui jouaient, là, c'était sur Quackshot. Il y avait plus loin. Ah, c'est ça. Il y avait plus loin dans le jeu. Putain, mais quand j'avais vu ça, mais Quackshot, mais waouh, quoi. Et puis typiquement que la Quackshot montrait que si on maîtrisait la palette de couleurs de la Mega Drive, on ne voyait pas du tout qu'il y avait un problème de palette de couleurs. Ah mais complètement, complètement. Bah, comme souvent sur les jeux Disney. Hein. Ouais, sur les jeux Disney. Tu regardes. Ils étaient développés, je crois, par Sega, je crois, d'ailleurs. Mm-hmm. Si je ne dis pas de bêtises, et c'était tous des excellents jeux de plateforme. Si tu regardes celui qui s'est le plus vendu, hein, c'est sur la Mega Drive, c'est Aladdin. Si mes chiffres sont bons, ça doit être dans les 4 millions de ventes. La palette graphique, enfin ce qu'ils ont eu, les couleurs utilisées, c'est voilà, c'est magnifique. L'animation, ouais, c'est aussi ça avec les animations. Les musiques aussi, hein. Après, c'est vrai que Aladdin avait l'avantage de tomber dans en même temps que la sortie du dessin animé, ou pas très loin. C'était dans le 93. Hein. Ils ont fait en sorte. Oui, ils ont fait ça. Parce qu'à la base, Virgin et David Perry bossaient sur Louis de la Jungle, et on leur a dit non, il y a le film Aladdin qui sort, donc vous stoppez tout, et on va se mettre à bosser sur Aladdin, et on va être aidé par 12 animateurs de chez Disney, du département animation de chez Disney, pour réaliser le jeu, et je crois qu'il y a quelque chose comme 2000 animations, ou un truc comme ça, wow. Ce qui est absolument monstrueux pour l'époque. Et David Perry va programmer le jeu en l'espace de 4 mois. Et en 4 mois, en fait, il va passer son temps à bouffer des sandwichs devant son écran, week-end compris. Et à la fin du jeu. David Perry. Et en gros, à la fin de la programmation, il est tellement claqué qu'il va pioncer quasiment pendant une semaine. Mmh. Sans quasiment se lever, quoi, tellement il est dégommé. Donc, pas grosse performance, mais les jeux Disney, ce qui est quand même impressionnant, au niveau de l'animation, c'était une perf, mais je me rappelle aussi de la taille des sprites. Ouais, et puis rien à voir avec le Aladdin de la Super NES. Hein. Bah, puis non, les animations aussi, enfin, ça bluffait. Hein. Oui, et puis les décors, enfin, tout a été réalisé les détails, par des... Que dans le niveau du marché, enfin, c'est... Oui, c'est clair. Les détails avec les... Voilà, les éléments qui permettent de sauter d'une plateforme à une autre, les plateformes dans la prison, là, qui seraient prêtes. Dans la prison aussi, ouais, c'est clair. C'était le passage. Le passage en tapis volant, ouais. La musique de Tommy Tallarico qui est absolument géniale. Ouais. C'est ce jeu, c'est une pure merveille, quoi. Mmh. Une pure merveille qui a été réalisée en quelques mois. Mmh. Dingo. Il y en a beaucoup qui préfèrent la version Super NES, hein, quand même. Attends, ouais, enfin, je sais pas pourquoi. Il y en a beaucoup, c'est kiff en fait. Parce que le jeu a été développé par Capcom et il a une approche qui est un petit peu différente. Aladdin a un côté un petit peu plus bondissant, c'est dans le style des jeux Capcom en fait de l'époque. Plus petit aussi. Ouais, alors que Aladdin sur Mega Drive, le truc c'est que c'est clairement le dessin animé. C'est le dessin animé, c'est ça, exactement. Visité sur console. Exactement. Et moi je me rappellerai toujours des animations totalement dingues. Des quand on rebondit sur les dromadaires ou les chameaux. Ouais, c'est ça, les chameaux, ouais, putain. Et que t'as le crachat qui vole dans les ennemis. C'est clair. Ou l'ennemi qui perd son pantalon là. Ah oui. Ah non, mais c'est excellent. Ouais, c'est ça. Exactement. Un autre truc qui est hyper impressionnant, c'est un détail, mais quand le marchand ouvre son magasin, vous avez vu le niveau d'animation du truc, mais c'est clair. C'est ouf, quoi. Tu es inactif et qu'il se met à jongler. C'est ça, qu'il se met à jongler. Ouais.
C'est aussi très drôle, c'est aussi bourré d'humour quand les mecs se foutent les pieds sur les espèces de pics là qui hurlent, enfin que tu les vois bondir, enfin c'est un jeu vraiment hallucinant quoi. Moi j'aimais bien, c'était les clins d'œil à d'autres productions Disney, genre les oreilles de Mickey dans le désert sur le. Ouais c'est clair. La corde à linge. La corde à linge, ouais. Et il y avait aussi dans le dernier niveau, là où il y a les jouets du sultan, où on voyait la bête, la belle et la bête. La bête. Alors là, il faut avoir été jusqu'au bout, quoi, quasiment. Ah oh, bah il y avait le code ABACAB, ça marche. Non, c'était le même pour tout, quoi. Bah, c'est le niveau, non, c'était ABBA. Ah mais il retient tout. Non mais ABACAB, si ça se trouve, hein, ça donnait même les boss hein, sur Super Nintendo pour Street Fighter 2, hein, tiens, c'est pas. Hein. Bon après, si on parle d'autres jeux Disney, bon on a les Mickey, Castle of Illusion, World of Illusion. Qui est magnifique. Ouais. Ouais, et qui se joue à deux d'ailleurs, World of Illusion aussi, mais ça me rappelle que c'était un jeu que j'avais acheté aussi parce qu'il y avait du coop, c'était la classe de jouer à deux. Tiens, d'ailleurs, je fais juste une petite aparté là-dessus. C'est, on a Machin Truc là, qui nous a fait un article sur World of Illusion. Donc, sympa de ne pas te frapper. C'est ce que je veux dire. C'est là que tu dis que c'est pas facile à faire. C'est beau, Machin Truc, mais oui. J'imagine pas. Il a fait un excellent article sur World of Illusion, sur ses souvenirs de joueurs de l'époque. Voilà, donc je vous invite à aller lire son article. Ouais, c'est sur le site. Mais c'est quasiment un des jeux qui est vraiment plus fun à deux que tout seul, quoi. Complètement. Ah, oui. C'est du coop, hein. C'est du vrai coop. Ah oui, oui. Ouais. Et très difficile. Hein. Moi, je le trouve dur, hein. Même encore aujourd'hui. Hein. Ah, puis la musique du début, enfin la musique du tout début avec l'intro. Encore une fois, le soin au niveau des musiques, des animations, des graphismes. C'est... Ah ouais. Mais... Ces gars faisaient vraiment beaucoup de enfin ils mettaient beaucoup de cœur à l'ouvrage parce que sur Castle of Illusion par exemple, il y a un boss, c'est une espèce de dragon là, je ne sais plus dans quel niveau c'est, où ils ont carrément en fait pour donner en fait le côté un peu souple du corps du dragon là, enfin de l'espèce de serpent, ils ont utilisé des bonbons. D'accord. C'est quand même rigolo. Hein, ils ont utilisé des espèces de bonbons en fait pour donner un côté souple, et ils ont utilisé ça pour donner l'animation. Donc il y avait plein de stratagèmes comme ça, mais c'est là que tu te rends compte que Sega mettait beaucoup de cœur à l'ouvrage en fait pour chacun de ses jeux, un maximum. Après on avait aussi eu le droit au Roi Lion. Ouais. Alors le Roi Lion, moi j'aurais bien aimé. Voir ce que ça aurait donné si David Perry était resté chez Virgin, mais c'est une sacrée performance encore là aussi. Hein. Ouais. Alors là, c'est pareil, je sais plus, je crois que c'est 5 ou 6 000 animations, enfin, je sais plus exactement. Mmh. Par contre, il a eu quand même moins d'impact qu'Aladin, celui-là, hein, au niveau des ventes. Hein, donc, Oui, tout simplement parce qu'il est arrivé à une époque où tout le monde commençait à parler des 32 bits. Mmh. On était déjà dans aussi. La transition, je pense, ouais. On était voilà, déjà dans la transition. Je m'intéressais plus vraiment à la Mega Drive déjà à l'époque. Hein, donc, Mais disons qu'il y a aussi le public. C'est impressionnant. Et puis le public qu'on était, on avait vieilli aussi. C'est vrai que tu arrives, je sais plus en quelle année il est sorti, le Roi Lion. 94. Tu commences à être, enfin moi pour ma part, fin de collège où t'as envie de faire le beau, sur les 32 bits quoi. Tu vois ce que je veux dire. C'est... Après, quand on reparlait de David Perry, c'est quand même lui qui a aussi fait les Earthworm Jim, Cool Spot. C'est des jeux qui sont aussi vraiment emblématiques. Enfin même s'ils sont sortis sur les deux consoles, je le mets plus, par exemple, Earthworm Jim, je le mets plus sur la Mega Drive. Enfin, moi, j'ai vraiment le souvenir de Earthworm Jim qui va sortir sur la Mega Drive. Ouais, alors je vais te dire un truc, en fait, c'est que j'ai fait un article sur Pixel Love, sur le dernier Pixel Love, sur la création de Earthworm Jim, et les créateurs de Earthworm Jim ont clairement préféré la version Mega Drive. Même si la version Super Nintendo, si tu veux, elle a des dégradés un peu plus beaux, ce genre de choses.
ils préfèrent, ils ont bossé sur la version Mega Drive en fait avant de bosser sur Super Nintendo. La version Mega Drive a été conçue et ensuite ils ont adapté le rendu de la version Mega Drive sur Super Nintendo. Mais sur tous les développeurs avec qui j'ai pu parler, ils ont clairement préféré la version de la console de Sega. Ah d'accord, ouais, bah, c'est pour ça que moi que j'avais vraiment le truc, c'est que ce jeu collait à la Mega Drive, parce que j'arrêtais pas d'en... Enfin, quand je l'imaginais, en fait, ou quand je le voyais, je voyais ce jeu comme un jeu pour la Mega Drive, plus qu'un jeu pour la Super Nintendo. Et puis ensuite, il y a eu le... Ouais, voilà. Il y a aussi la version Mega Drive aussi. Et puis le 2 pour la Saturne. Enfin, moi, c'est vraiment une licence que vraiment j'accroche pour les consoles Sega. Enfin, moi. Ouais, mais c'est pas étonnant parce qu'en fait, David Perry a toujours préféré bosser sur Mega Drive que sur Super Nintendo. Et le style des jeux de David Perry, tu le reconnais instantanément. T'as Cool Spot, t'as Global Gladiator, t'as Livre de la Jungle, t'as Aladdin, etc. Et quand tu prends Earthworm Jim, c'est l'ambiance et le gameplay des jeux Sega en général. Vraiment adapté. Non, mais ça c'est clair. Hein. Et on retrouve moins ça sur Super Nintendo, même si la version Super Nintendo est excellente aussi. Hein. Mais moi, je trouve que c'est un des jeux. Enfin, voilà, par exemple, Earthworm Jim, je trouve que c'est un des jeux de la fin de vie de la Mega Drive, peut-être. Enfin, qui fait presque la transition avec les 32 bits, mais qui pouvait encore faire dire le Mega Drive encore sous le pied, quoi. Mmh. Ouais, et moi, je trouve que c'est vraiment des super jeux, quoi, qui pouvaient faire vendre des consoles. Hein. Enfin, je pense pas qu'il y ait eu de bundle avec ce genre de jeu, mais. Non. Mais moi, je les associais vraiment avec les consoles Sega, quoi. Un peu trop déjanté, je pense, pour un pack ou pour un truc comme ça. C'est dommage, d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. T'imagines, Earthworm Jim avec une vache sur le pack. Avec un frigo, oui. Ce genre de choses. Le pack avec ouais, tu vois, le frigo et la vache sur le... Le hamster dans sa boule ou je sais plus quoi. Ah non, mais c'était excellent. Je me demandais si Earthworm Jim était sorti... au Japon, bah du moins sur Mega Drive, il est pas sorti au Japon, mais est-ce qu'il est sorti sur Saturn ou Earthworm Jim 2, il est sorti sur Saturn au Japon. Ouais. Ça, sûr et certain. Ouais, ça c'est sûr, mais le 1, bonne question, excellente question même. Je suis même pas sûr, tiens, tu vois, sur Super Famicom, je pense qu'il est sorti au Japon quand même. Sur Mega Drive, je sais pas, franchement, je saurais pas te dire. Non, mais sur Mega Drive, c'est sûr, il est pas sorti au Japon. Pas sorti. Selon Guardiana. Ah, sinon, t'as mal taffé, quoi. Ah non, mais. Sur ce site-là, si tu peux y aller, il n'y a pas d'erreur, c'est pas possible. Si, des fois, on retrouve encore des erreurs, mais. Mais pour ce qui est les jeux Jap, il y a la totalité. Ok. Est-ce qu'il y a des jeux que vous souhaiteriez. Dont on n'a pas spécialement parlé, mais qui auraient pu vous marquer ou... Qui pour vous aurait pu être dans cette liste de jeux. Enfin, moi peut-être pas des jeux en particulier, mais moi je pense à une époque, enfin où on achetait la Mega Drive, enfin moi pour Altered Beast, enfin ou pour autre chose, enfin au début de la Mega Drive. Après, je suis passé par la Super Nintendo, mais je suis revenu par la Mega Drive sur la Mega Drive quand il y a eu la Mega Drive 2, mais ils proposaient en fait les Mega Games, enfin les cartouches. Les cartouches, ouais. Mm-hmm. Non, mais moi je trouve que quand ils ont fait ça, enfin, t'achetais des packs. Enfin bon, après quand j'ai ouvert le carton, je me suis dit, merde, il n'y a pas trois jeux, mais en fait, il y a un Mega Games, en fait, il y a une cartouche avec trois jeux dedans, mais pas trois jeux dans chaque boîte. Enfin, moi je trouvais que c'était quand même sympa parce qu'ils multipliaient quand même les offres. Donc j'avais acheté un Mega Games avec une Mega Drive 2 avec Mega Games Shinobi plus Streets of Rage plus je me rappelle plus c'était quoi le troisième jeu. Golden Axe. C'était Golden Axe. Et franchement, ça faisait quand même pour ceux qui venaient sur le tard dans la Mega Drive avec la Mega Drive 2,
enfin proposer en fait des bundles avec des jeux tout en un, moi je trouvais que c'était déjà une super idée quoi. C'était ouais, ça te permettait de rattraper le retard. Voilà, t'achetais la console avec deux manettes, bah je pense qu'ils faisaient des économies avec les cartouches. Mais t'achetais des compilations, enfin comme on faisait déjà dans les ordinateurs, enfin les compilations de jeux sur disquette, hein, tu commençais à avoir la même chose sur cartouche. Et puis les Mega Games, enfin ils ont été déclinés en X versions. Alors que jusque je ne sais combien, 6 jeux, 10 ouais. jeux. Je ne sais plus jusqu'où ils sont allés, mais c'est vrai que j'en ai eu quelques-unes entre les mains. Et... Il y a eu 3 Mega Games avec 6 jeux. D'accord. Ouais, c'est ça. Mais à vrai dire, ils faisaient aussi déjà des économies sur la console. Hein, puisque la Mega Drive 2 est quand même plus cheap. Entre Il y a une. Hein. Moins jolie. Hein. Mais on s'en rendait compte qu'après, non mais ça c'est sûr, mais la Mega Drive 1, elle était vraiment. Elle était vraiment parfaite en fait. Elle avait la classe. La version japonaise, elle est vraiment classe, ça c'est sûr. Mais bon, quand on était jeune à cette époque-là, à la rigueur, la console, la gueule qu'elle avait, on s'en foutait un peu, hein, c'était les jeux qui nous achetaient la console. Ça dépend. Bon, moi personnellement, elle aurait pu être rose avec des fleurs dessus. Moi je vais t'avouer un truc, quand j'ai vu la Master System 2, et qu'à côté j'ai vu la NES, c'est Master System 2 je crois. J'ai clairement craqué pour la Master System 2, déjà pour sa gueule, hein. Parce qu'elle avait quand même, enfin avec son clapet là et tout là, c'était quand même, ça avait, les consoles c'est dire de toute façon avaient vraiment la gueule. Hein, donc, Toujours. Non mais c'est sûr que en plus la Mega Drive 1 avec ses boutons, enfin et le curseur de son. Oui, ça c'était génial. C'est clair. Et quand c'était plus sur la Mega Drive 2, quand j'ai racheté la Mega Drive plus tard, je fais il n'y a plus là le curseur de son avec la prise casque. Je fais non, sacrilège. Mais pour revenir au jeu, je crois que la Mega Drive, on l'achetait aussi peut-être plus que d'autres consoles qui avaient vraiment beaucoup de systèmes sellers, plus pour justement des ensembles de jeux, c'est-à-dire que tu les achetais pour tous les Disney. Il y avait Sonic et autres, mais tu les achetais pour les jeux de sport, pour tous les jeux d'arcade Sega qu'il y avait, mais qui allaient sortir aussi. Tu savais que voilà, t'allais avoir tous les jeux d'arcade Sega, les jeux sur la console. Golden Axe, Street of Rage. Voilà. Golden Axe, non, mais ça c'est sûr. Golden Axe, franchement, c'était un super jeu. Enfin, il était bien. En plus, il a été bien converti quand même sur la Mega Drive. Ouais, clairement, c'est vrai. Il valait pas la version Amiga. Enfin, parce que moi j'avais joué. Il profite. Il n'y a personne pour me contredire. Il profite que Curdy soit pas là. Il est pas là. Il n'y a personne. On sur Amiga Legacy. Hein. Non, mais la version Amiga de Golden Axe c'était vraiment génial. Mais quand j'ai pu le rejouer sur Mega Drive, franchement c'était un plaisir. Et puis en plus de l'avoir sur une compile, franchement c'était génial. Qui sert peut-être un jeu que tu penses qui a pu faire vendre des consoles et qu'on n'a pas cité? C'est plutôt un de mes jeux préférés, quoi. C'est l'instant le cœur. Je pense pas qu'à l'époque c'était monnaie courante les jeux d'aventure comme ça, surtout un concurrent de Zelda. Mais après, faire vendre la console, je sais pas trop. Est-ce qu'on voulait faire vendre des consoles Sega à des justement des fans de RPG de jeux d'aventure? C'était ça en fait le but à l'époque. Je pense qu'au Japon oui. Parce que Fantasy Star quand même. Hein. Oui, parce que ça c'est Force. Plus pour le marché japonais que. Oui voilà exactement. Il y a Checking Force, Fantasy Star donc. Si pour le Japon oui c'est clair. Après aux États-Unis faut pas se leurrer hein, c'était Sonic, le jeu de sport. Et voilà, hein, tout ce qui était le plus spectaculaire possible, et puis voilà. Hein. Ils ont mis des billes quand même, je crois, sur le jeu Soleil. Sur Soleil et Thor aussi. Thor aussi, qui était génial. On pourrait citer aussi la Crusader, je pense, mais. Ouais. Je pense qu'il y avait peut-être un succès moins. Hein. Ouais. Tout à l'heure, on parlait aussi des jeux de voiture, mais. Il y a un titre, une série qui est passée un petit peu inaperçue, qui était pourtant techniquement assez impressionnant, notamment pour son mode de joueur, c'était les Lotus Turbo Challenge.
Je sais pas si vous les avez eus, mais. Sur Amiga, t'as dû l'avoir, ça. Non, mais ça, c'était sur Amiga. Oui, non, mais. Sur mes rêves, c'était bien adapté aussi. Hein. Il était bien adapté. Après, Super Mario que j'ai créé. Ouais, non, mais ça tournait bien. Hein. Le 2, il est vachement bien. Il y avait les Road Rash. Ouais, Road Rash. Ouais, ça aussi. Road Rash. Voilà, les Road Rash, il n'y en a pas sur Super Nintendo, franchement. Et Road Rash, ça, c'est vraiment, pour moi, ça, c'est vraiment le type de jeu comme Mortal Kombat qui est propre à la machine, quoi. C'est... Ouais, et puis, je peux te dire que son histoire, elle est aussi marrante. Hein. Ah, bah, ça sera l'occasion. À la base, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le mec. C'est un gars comme ça qui arrive chez Electronic Arts. Je ne sais plus ce qu'il a fait comme jeu avant ça. Et il a commencé à bosser sur un jeu sur Nintendo, sur la NES, en essayant de faire un espèce de dégradé en 3D. Et puis, donc, il a montré son boulot et ils ont dit « Non, mais il faut absolument que tu fasses ce procédé sur MyDrive. » Donc, il a commencé à bosser là-dessus sur MyDrive. Et à la base, au début, quand le jeu a été présenté pour la première fois lors d'un salon, un CES, je ne sais plus, 93 ou une connerie comme ça, ou 92, le jeu n'a pas du tout attiré l'attention. C'était une espèce de jeu de moto version balade dominicale où tu te faisais chier comme des rats. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une baston entre le créateur et le producteur. Et il faut savoir que la baston a été tellement loin que le créateur du jeu qui s'appelle, voilà, j'ai retrouvé qu'il s'appelle Carl May, il est même pas sur la jaquette du jeu, son nom a été enlevé en fait. Oh, putain, du seul. D'accord. Voilà. Et l'autre anecdote qui est assez rigolote, c'est que je crois qu'il s'appelle Randy Pitchford ou une connerie comme ça, le producteur. En gros, l'équipe de Road Rash avait loué une moto hors de prix. Et ce con de producteur s'est planté avec et c'est gars a dû payer les réparations. Voilà, c'est, donc c'est énorme. Ce genre de truc. Voilà, toi, il y a plein de... C'est comme le coup de la Ferrari avec Outrun. Avec Outrun, oui. Ouais, ben bien sûr, hein, parce que ce qui s'est passé pour Outrun, c'est ce que j'ai expliqué dans un des derniers The Game, c'est qu'ils ont mis trois plombes en fait pour trouver une Ferrari. En fait, Yu Suzuki, quand il a fait son petit tour d'Europe, il a vu des Ferrari à Monaco et il a trouvé cette bagnole absolument géniale. Alors je ne sais plus, je crois que c'est la F40 ou Testarossa. Testarossa. Et la Testarossa, donc du coup, très très difficile pour la trouver au Japon. Et en fait, l'article de The Game, je commence comme ça. En fait, vous imaginez 4 ou 5 Japonais dans une toute petite bagnole en train de sillonner le Japon pendant 3 heures avec une température estivale. Et ils étaient tous parqués là-dedans. Ils ont fait 3 heures de route pour aller voir un propriétaire de Testarossa au Japon. C'était très très rare. Qui a accepté en fait que l'équipe puisse prendre des photos, prendre le bruit du moteur, ce genre de choses. Et en fait, ils ont utilisé la bagnole, mais sans demander l'autorisation. Donc ces gars, ont pris plusieurs procès derrière dans le cul. Enfin voilà, ce genre de choses. Mais ouais, non, c'est. Ce qui est marrant, c'est que les développements, souvent, nous, quand on touche au jeu, bah, on a le jeu fini et tout, mais ce qu'il y a derrière, des fois, c'est... Plus ou moins fini aujourd'hui, mais... Oui, mais voilà, mais bien sûr, mais tu vois, ce qui est derrière, c'est souvent, c'est à mourir de rire, parce qu'il y a des anecdotes de malades. C'est clair. Donc c'est pour ça que c'est amusant aujourd'hui de retrouver les développeurs et leur dire, mais comment vous avez fait ça. Mais sur mes rêves, ouais, je me rappelle moi de Lotus Turbo Challenge. Sinon, techniquement, surtout qu'il vient juste de sortir sur 3DS, le Gunstar Heroes, ouais. Qui est techniquement qui est bluffant. Hein, ouais, ouais. C'est clair. M2, ils font du bon boulot. Hein. Ouais, mais sur mes rêves, sur 3DS, mais ouais. Sur mes rêves à l'époque. Bah, c'était Treasure. Hein. Voilà. Il n'y a rien besoin de dire de plus, un Treasure, quoi. Je sais pas si vous vous rappelez des boss de ce jeu-là, mais c'est... Ouais, c'était énorme. C'est n'importe quoi, hein. Ça explose de partout. Ça explose de partout, et ils ont eu l'appui de Yuji Naka pour tous les algorithmes de vitesse, d'animation. Puis, j'ajouterai d'autres jeux à la liste. Je pense à la série des Strike, donc Desert Strike, Jungle Strike, Land Strike. Bon, je pense pas que ça soit exclusivement la Mega Drive, je pense que c'est sorti aussi sur Super Nintendo. Mais ouais, c'est sorti sur plein de plateformes, la Master System, la Game Boy. Mais ça m'a très bien marqué, surtout à l'époque pour sa difficulté. Heureusement qu'il y avait la Game Genie.
le Game Genie. Oui. Il va se rappeler, quoi, pour avoir les sens infinis, quoi, au moins. Sinon, je passais pas la première mission, quoi. Mais, non, mais c'était des très bons souvenirs aussi, la série des Strike. Ouais. Après, il y a eu le Soviet Strike et le Nuclear Strike sur Saturn. Pas le nucléaire, non. On l'a pas eu. Nucléaire ou... Non. Il y a eu que le Soviet, qui est énorme. Qui est énorme. Ah, puis comme je disais, en série, bah, on aura tous les shmups, parce que sur Ferrari, c'était quand même un peu mieux que sur Super Nintendo. Mais là, je pense que là, on en a jusqu'à demain, si on veut en parler. Ouais, non, mais c'est, voilà, tu pouvais prendre la Mega Drive, parce que voilà, les shmups. Ben, disons qu'on va dire, et surtout l'arcade. L'arcade. Voilà. L'arcade à la maison. Tous les titres Sega qui étaient en arcade. Ah, les Afterburner, les Outrun. Les... Ouais, du Shinobi, du. Ah, du Golden Axe. Eh bien, le podcast touche à sa fin. On va remercier les invités. Hein. Donc, petit Cerf, merci d'être venu. On te retrouve sur donc guardiana.net. Tu as un Twitter aussi, je crois. Oui, il y a un tweet guardiana.net. Donc, c'est @guardiana-sega. D'accord. Ok. Et puis, écoute, quand tu veux, t'hésites pas à revenir. Ok, pas de soucis, merci. Régis, on peut te retrouver comme d'habitude, Facebook, Twitter, tout ce qu'il faut. Sur @manga56. Ok, et puis au niveau de l'actu, voilà, on va. Sur joypad.fr, sur un petit peu de jeuxvideo.com, sur No Life, on va bientôt reprendre la rentrée, là, notamment des rétro and Magic. Je bosse aussi avec Florent Gorge sur Oh My Day Books. Mm-hmm. Pour les émissions Les Oubliés de la Préhistoire et puis quelques bouquins. Je crois que j'ai fait le tour, je sais plus. Non, il y a The Game. Je bosse aussi sur The Game et puis le magazine aussi, RPG Roleplaying Game, mm-hmm. où j'ai notamment réalisé un dossier sur Skies of Arcadia, sur les coulisses de Skies of Arcadia, qui est actuellement en kiosque. D'accord. Eh bien, on vous remercie. Pour votre présence. Régis, de toute façon, on se reverra très prochainement pour aborder les autres machines. Pas de soucis. Et puis, on vous dit à bientôt. Allez, ciao, ciao. Salut tout le monde. Salut. Salut. Salut.